Bonjour, c'est Mikael Doppia pour votre émission Vers l'essentiel. On est mercredi. Le thème du jour, le test des œuvres de la foi. On va voir ensemble effectivement que nous ne pouvons pas dissocier les œuvres de la foi comme nous ne pouvons pas dissocier la foi des œuvres. Et notre foi est incomplète si nous ne sommes pas capables d'agir et de manifester des actions qui correspondent à la foi que nous allons proclamer. Mon texte de base aujourd'hui se situe dans Jacques 2, notamment au verset 14. Il aborde dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» On est en train de parler de quelqu'un qui n'a pas réellement la foi. C'est quelqu'un qui se targue, qui se vante d'avoir la foi, qui dit « J'ai la foi », mais qui n'a pas la compréhension réelle de ce qu'est la foi. La foi va toujours nous pousser à faire quelque chose. Vous ne pouvez pas simplement dire que vous avez la foi sans porter derrière une action concrète. C'est pourquoi beaucoup de gens, des fois, disent qu'ils croient que Dieu va agir et attendent simplement l'action de Dieu. Parfois, vous attendez quelque chose qui est en fait quelque chose que Dieu lui-même attend que vous fassiez. Et nous allons le voir plus loin. Il est dit, toujours dans le même verset 14, « La foi peut-elle le sauver ?» Nous savons évidemment que la foi sauve. Il faut donc comprendre la profondeur de ce que Jacques est en train de dire, puisque lui-même croit que nous avons par grâce été sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas qu'il ne croit pas que la foi puisse sauver. Mais il est en train de dire que la personne simplement qui se vante d'avoir la foi, qui dit « j'ai la foi », mais qui ne manifeste jamais rien derrière, ne peut pas être sauvé. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas simplement nous arrêter à croire que Jésus-Christ existe, mais nous devons avoir justement un caractère qui correspond au caractère de Christ. Et celui-ci est composé évidemment de notre obéissance, puisque la parole de Dieu a amené la compréhension des commandements de Dieu dans nos cœurs afin qu'ils soient accomplis en nous, pour que nous puissions, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, marcher selon le plan, selon la volonté de Dieu, à travers sa justice et sa vérité manifestée en nous. C'est pourquoi nous avons une compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et poussés par la foi, nous avons une foi agissante par amour parce que nous aimons Dieu et nous voulons porter des actions qui correspondent à celles que Christ a lui-même manifestées sur la terre. Nous donnons évidemment sa ressemblance et c'est ce qu'on appelle l'œuvre, les œuvres, nos actions qui sont liées à notre foi. Il va dire encore plus loin, dans le même verset du moins, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela leur sert-il » Il est possible, évidemment, que toi-même, tu dises à Dieu que tu as la foi pour trouver un travail, mais que tu ne fais pas de recherche. Il est possible que tu dises à Dieu que tu as la foi qu'il va te donner un travail, mais qu'aux trois premiers échecs qui se succèdent, tu décides d'abandonner. C'est pourquoi les œuvres que nous allons accomplir vont être la possibilité pour notre foi de s'activer, d'amener la réalisation d'une promesse que Dieu veut t'accorder. Donc, tu dois agir par la foi tant que tu n'as pas vu la chose s'accomplir. Et donc, c'est pareil, cet exemple est profond. Nous ne pouvons pas passer à côté de quelqu'un qui est nu et lui dire « j'ai la foi que Dieu va te donner des vêtements » et ne pas l'habiller. C'est une foi qui est vaine. Il va dire encore au verset 17 « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Une foi morte, c'est une foi qui est incapable d'accomplir quelque chose. Une foi morte, c'est une foi qui est incapable d'aider. Une foi morte, c'est une foi qui est incapable de t'amener à porter une action qui va amener la réalisation de quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Et donc, ce n'est pas terminé. Il dit au verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Écoutez ça. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Regardez bien quelque chose, c'est très précieux l'exemple qui est pris là. Il dit, toi tu peux avoir la foi, un autre peut avoir les œuvres. Un autre peut avoir les œuvres, l'autre doit avoir la foi. Ils sont donc, on ne peut pas les détacher, ils doivent fonctionner ensemble. Et dans le texte, Jacques va prendre un exemple très important, il va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi le croient. Autrement dit, les démons ont aussi la foi. Pourtant, ils sont incapables d'accomplir les œuvres que Dieu a ordonné. Puisqu'ils croient que Dieu existe, mais ils ne peuvent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la désobéissance,
ils sont déchus et ils n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi toi aussi, il te dit, c'est bien, tu fais bien de croire en Dieu, mais ton amour pour Dieu, ta foi en Dieu doit te pousser à faire les œuvres qui correspondent au cœur de Dieu. Il y a d'ailleurs une double image dans ce texte, parce qu'il dit aussi, les démons y croient et ils tremblent. Ça veut dire qu'ils ont la foi que Dieu existe, mais ils portent quand même une manifestation, une œuvre. Leur œuvre à eux, c'est le tremblement. Ils ont peur de Dieu et ils sont incapables de faire autre chose que trembler, puisqu'ils ne veulent plus accomplir la volonté de Dieu, mais ils le respectent, ils savent qui il est, et alors ils se mettent à trembler. Ce n'est pas terminé. Regardons encore ce qui est dit au verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Un homme vain, c'est un homme vide qui n'a rien en lui. Il est en train de parler finalement de quelqu'un qui dit qu'il a la foi tout le temps, mais qui en fait est vide et qui n'est pas capable de réaliser une œuvre liée à sa foi. Il va dire au verset 21, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Première chose, exemple d'Abraham qui lui-même a été jusqu'à amener son fils. Il a cru en la parole de Dieu, mais il allait porter l'action qui correspondait. Sa foi était agissante par ses œuvres. Encore l'exemple plus loin qui nous est donné de Rahab, qui est la prostituée. Au verset 25, il est dit qu'elle a été elle aussi justifiée par ses œuvres lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Elle a cru qu'ils étaient les messagers de Dieu, mais elle a porté une action. Elle leur a permis de passer par un autre chemin. Elle les a gardés, elle les a protégés et elle les a aidés. Donc, ces deux exemples sont profonds. Je suis en train de t'encourager ce matin à aller plus loin qu'avoir la foi. Tu as la foi pour quelque chose que tu attends. Tu as la foi pour une chose même qui n'est pas encore arrivée. C'est une chose sûrement que Dieu a mis dans ton cœur et que tu dois garder par la foi. Mais ce que Dieu te demande maintenant, c'est d'agir. Fais ta part. Sois comme Abraham et les œuvres que tu vas accomplir vont être justifiées dans ta vie. Tu es justifiable par Dieu à partir du moment où ta foi est agissante. Alors vraiment, je nous encourage à passer ce test aussi, à ne pas nous arrêter à être des vantards de la foi, mais être pleinement des personnes qui agissent et qui manifestent des œuvres liées à la foi qu'elles ont dans leur cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va toujours vers l'essentiel et je vous dis à demain.